Hey, salut ma gang de vous autres, bienvenue à Metal. Je continue ma reviewgraphie de Motorhead avec le 14e album dans ma liste qui s'appelle Sacrifice. Êtes-vous un fan de thrash? Si oui, c'est l'album de Motorhead pour vous. Probablement l'album le plus thrash dans toute l'histoire de Motorhead. Je suis un fan de thrash et j'ai adoré cet album-là. Un triste bon album qui te ramasse par les testicules en partant, qui t'est squeeze pis qui t'est lâche pas jusqu'à la dernière toune. Un album puissant. Commence glorieusement avec Sacrifice, avec un bon petit riff thrash progressif pour commencer avant d'exploser dans un refrain purement Motorhead, avant de virer mélodique. Parle-moi d'une manière glorieuse avec un point levé dans les airs pour starter un album. Après ça, on a Sex and Death. Sex and Death, hostie de bon titre de toune. Puis c'est du Motorhead simple, rapide, efficace, 2 minutes 2, je veux dire, du bon fun en canne. Over Your Shoulder, qui est... Au début, tu dis, ah mon dieu, Motorhead sonne moderne, mais stressez-vous pas, c'est juste dans le ton. Fallait bien que ça arrive à Naway, mais c'est purement poil, gras, Motorhead, une hostie de bonne toune. Après ça, on a Order, Fade to Black. Tu te dis, oh non, hey Groove, c'est une joke, explose en trash puissant, puis je dirais même que c'est la meilleure de l'album. Aussi, entre de quoi de slow, puissant, presque groove, comme j'ai dit, puis du trash à mosh pit, là, sans joke, c'est la toune la plus mosh pit que Motorhead ont jamais écrite. Bravo. Après ça, on a Dog Face Boy, du speed metal qui te fait brasser la tête, puis qui te fait dire, Christ, aussi longtemps que j'ai des riffs dans ma vie va être belle. All Gone to Hell, une toune donc piquée satanique qui vire hardcore dans le bon sens, dans le sens 1983 du terme. Christ que c'est bon comme toune. Make Em Blind, une toune lounge, metal rock progressif douce. Make Em Blind, c'est le point faible de l'album. Ça marche, mais pas trop longtemps. Non, t'es cas. Après ça, on a Don't Waste Your Time. Une toune qui résume la carrière de Motorhead. Je veux dire, il n'y a pas un autre band sur cette planète-là qui est capable de merger le rock'n'roll des années 50 avec le punk des années 70 puis le metal des années 80. Il y a juste Motorhead qui sont capables de faire ça. Après ça, on a In Another Time, qui est un speed metal menaçant, mélodique, rempli de bons riffs. C'est que cet album-là est juste insane. On finit avec Out of the Sun. Un autre speed metal qui surfe sur le ton de l'album de la bonne manière pour arriver à la terre ferme et fermer l'album. Un bon petit refrain et tout, by the way, dans cette tune-là. Bref, comme j'ai dit, c'est l'album le plus trash de Motorhead. Pour ceux-là qui veulent de la diversité dans le Motorhead, c'est un autre bon album à écouter et tout. Je suis un fan de trash et j'ai adoré cet album-là. C'est un gros 9 sur 10. Sans joke, ça aurait pas été... de la toune Make Em Blind, ça aurait été un 9.5 sur 10 je crois, mais quand même un bon 9 puissant à écouter. Bref, je vais juste faire un zoom sur